À Tourcoing, un nouveau visage se dessine pour le quartier de la Bourgogne. Avec ses 7000 habitants, il est l'un des quartiers les plus vastes et les plus populaires de la commune. Construit dans les années 60 et longtemps appelé la ZUP, la zone à urbaniser par priorité. Et bien, ce quartier fait l'objet d'un grand projet de reconstruction validé par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et le projet avance. Les premières transformations devraient intervenir en 2018 avec des démolitions. Actuellement, la Bourgogne compte 88% de logements sociaux et il s'agit pour la municipalité d'amener ce chiffre à plus ou moins 30%, soit le chiffre réglementaire. Et dès cette année, les études techniques vont être lancées en collaboration avec les bailleurs sociaux. En mairie de Tourcoing, l'adjoint en charge de la rénovation urbaine nous en dit plus. Écoutez. L'idée, c'est que 50% des logements démolis sur un quartier en rue, dont la Bourgogne, soit reconstitué sur le territoire de la ville et 50% à l'extérieur du territoire de la ville, notamment dans les communes visées par l'article 55 de la loi SRU. Et donc nous pourrons commencer les premières actions concrètes sur le terrain dès 2018, avec sans doute des premières opérations de déconstruction. Et parallèlement, naturellement, nous retravaillons à la reconstitution d'une offre de logement à l'échelle du territoire de Tourcoing, mais aussi, comme le projet ANRU est un projet métropolitain, une reconstitution de l'offre à l'échelle de la métropole.